kriumi la nuit pako ta sou kat bangi ta sou terang Senegal way kat piti way terang Senegal bina kat bibind terang Senegal inaw terang joju la ñu ñu fetalil lu way di wuyo de koy nuroda. Salam alaikum et bienvenue dans votre émission Teranga Sénégal. Je suis Sabrina Petit et ravie de vous servir. Aujourd'hui, nous sommes à Sacré-Cœur. Je ne vous en dis pas plus, on se voit juste après en compagnie de notre invité. Ça y est, nous sommes bien installés avec notre invité. Bonjour et on va commencer par ta présentation. Tu vas me donner ton nom, ton prénom, ta profession et ta nationalité. Bonjour à vous, je me présente Dembélé Téné, je suis de nationalité malienne, étudiante au Sénégal, ça fait plus de un an, en journaliste et communication à NSUP Afrique. Donc, comme vous l'aurez constaté, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous faisons un tour au Mali. Donc, ça fait un an que tu es ici, et qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu es arrivé à Dakar? Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est l'accueil des Sénégalais. Ils sont vraiment accueillants. Partout où tu passes, les Sénégalais sont joyeux. En fait, ils te considèrent comme des Sénégalais, pas des étrangers. Ils te considèrent eux-mêmes comme des Sénégalais. C'est toi-même qui as décidé de venir à Dakar ou c'était la décision des parents? Et pourquoi tu as choisi le Sénégal et pas un autre pays? C'était ma propre décision. Ma propre décision, les parents n'ont pas choisi. On m'a dit, je vais aller au Sénégal faire mes études et après, on verra. Après, on verra. Le Sénégal, c'est... En fait, rien que tu entends parler du Sénégal, on te dit que le Sénégal, c'est beau et tout. Les coins, en fait, voilà pourquoi j'ai voulu venir, en fait. D'accord, donc c'est l'aspect culturel du Sénégal qui t'a plus plu, on va dire, qui t'a marqué, que tu aimes bien, que tu apprécies. Et sinon, dans la vie de tous les jours, tu es plutôt cuisine, musique ou série sénégalaise? Plutôt cuisine, surtout le poulet yassa. Ah ça? Et est-ce que tu sais préparer le poulet yassa? Bien sûr, c'est comme un peu le Mali, le poulet yassa au Sénégal, c'est aussi au Mali, le poulet yassa, c'est pareil. D'accord, donc comme l'on voit que, souvent l'on dit que le Sénégal et le Mali, c'est un peu le même pays, on a souvent tendance à vous mélanger, qu'est-ce que tu penses? Et moi-même, on me confond à une Sénégalaise, on me dit non, tu n'es pas malienne, tu ressembles plutôt à une Sénégalaise. Je dis, ah ok. Mais c'est deux frères, c'est deux pays frères, donc on a à peu près les mêmes ethnies, il y a à peu près les mêmes traditions et certains les mots qui sont pareils. Par exemple, tu peux dire le pain en Wolof, je crois que c'est bourou et en Bambara c'est bourri aussi. Ah ça, mais je n'étais pas au courant en fait, donc il y a autant de similitudes entre le Mali et le Sénégal et j'en suis sûre que plusieurs Sénégalais ou Maliens n'étaient pas au courant. La musique, j'écoute une artiste sénégalaise, Adiouza, et elle a un morceau que j'aime bien, Madame Bonheur. Bon, est-ce que tu peux nous esquisser, tu nous ferais donner un petit truc là? Bon, je ne connais pas bien, mais je peux juste un peu mimer. Madame Bonheur, Madame Bonheur, je crois que c'est tout. Non mais attends, j'ai l'impression que tu es un peu timide. Est-ce que Madame Bonheur dans sa chanson, elle est timide aussi? Non, même pas, mais en fait, je connais pas très bien les paroles, donc j'ai essayé de les comprendre. La gueule mon cœur, oui Madame Bonheur, y'a mes confinés, les petits du Pierre. Et sinon, est-ce que tu parles le Wolof? Tout irek. Comme tu dis tout irek, j'aimerais que tu me donnes une phrase complète et correcte, puis son interprétation en français. Une phrase en Wolof. Une phrase en Wolof, wow, là, c'est chaud. Sénégal, Degebou, Nerla, Bou Am Teranga. Je peux traduire? Sénégal est un beau pays qui représente la Teranga. Alors là, j'ai l'impression que tu jettes seulement les fleurs au Sénégal comme ça. Non, même pas. Sénégal, c'est vraiment un beau pays. Sincèrement, c'est vraiment un beau pays. Les Lions ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et comment ça s'est passé chez toi?
Tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait le dimanche soir? Ah bon, le dimanche soir, je n'étais pas à la maison, j'étais au restaurant. Mais depuis le restaurant, j'ai regardé le match du début jusqu'à la fin. Et c'était vraiment un moment très, très émouvant. La joie, surtout quand ils ont remporté la Coupe d'Afrique cette année. Et une première fois, donc toute la ville était émouvante. Moi-même, j'étais dans le show. Est-ce que tu peux nous donner un mot en bambara pour que j'apprenne aussi un peu la langue? Oui, Initié, qui veut dire merci en français. Donc, chers téléspectateurs, Initié, merci à toi, Initié, d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt dans un prochain numéro des Teranga Sénégal. Bye! Sénégal.